sont les valeurs de l'Afrique. Voilà, vous voyez, il y a la verdure, il y a la forêt ici. Ici, j'ai à manger. Voilà. Vous voyez, un peu. Je viens de me mettre dans ma tenue de maréchal. Dans ma tenue de maréchal pour cette mission à Ouya, dans la sous-préfecture de Ndossi. C'est le village de Kadjobrou. Kadjobrou qui vit aux États-Unis. Nous venons juste en mission pour prier avec sa famille. Voilà, prier avec sa famille. Donc tout le monde peut nous inviter. Hein, voilà, pour vous déconnecter du système satanique démoniaque, des connexions, des vibrations sataniques démoniaques depuis vos origines, des villages, afin de pouvoir entrer pleinement dans votre destinée. Voilà. On dirait un homme. Je ne sais pas. Oui, il est retourné. Il s'est projeté en même temps dans la boue. En mission ce matin. Une mission du Saint-Esprit. Voici les valeurs africaines. Ici, il y a la broussaille, tout ça. L'Afrique. Ne manque de rien en principe. Alors, le seul problème, c'est la sorcellerie. Voilà la sorcellerie. La beauté de l'Afrique. Parcourons souvent ces chemins, c'est afin d'aller sauver les âmes perdues. C'est ça le ministère de la compassion des âmes. On nous permet d'être en face des réalités et de nous donner raison dans le combat que nous menons. Comment ils entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, nous dit la parole de Dieu. Attends, on risque de faire marche arrière pour aller passer où la mer se passe. Avec les voies ne sont pas praticables, le président est obligé de descendre. Orienter le chauffeur. Voilà. C'est souvent nos difficultés. En bas de la voiture, elle est touchée. Ah bah d'accord. Voilà, c'est coincé. Petit. Ouais. T'as vu où on est passé? Ouais. On peut pas passer là. Il est passé là. T'as vu? Vas-y, la trace de la voiture. La trace de la voiture, ouais. Tu veux ici là, on peut ça. Ouais, vous voyez, les difficultés sont très énormes. Voici tout ce que nous faisons comme... Après, on conduit. Voilà, donc c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Il faut laisser la grande ville venir s'imprégner de certaines réalités afin de pouvoir sauver les âmes. Tout à l'heure, il y a des difficultés. Il a fallu que le président descende pour orienter, n'est-ce pas, guider la voiture. Voilà, donc voici un peu. Nous avons besoin des engins, nous avons besoin de l'aide afin de pouvoir être efficace dans l'évangélisation. Nous aimons bien évangéliser parce que c'est à ça que Jésus-Christ nous a appelé. Aller faire des nations des disciples. C'est une question d'affaires à suivre. Shalom. Aliyah.